Kanye West être inspiré depuis que son ex est en couple avec un autre homme. Ses détracteurs diront même qu'il est plus inspiré que sur ses derniers albums. Quoi qu'il en soit, le rappeur s'est littéralement lâché sur Instagram pour s'en prendre à Pete Davidson, le nouveau boyfriend de Kim Kardashian. Dans une série de posts Trainer où tout est écrit en lettres majuscules, elle interprète de I'm a God a dit tout le mal qu'il pense du comique. Regardez-moi cette tête de cul, je me demande si Instagram va effacer mon compte si je me fous de la gueule de l'ex-de Hillary Clinton, a-t-il posté, en légende de la photo des un tatouage de Pete Davidson, qui représente l'ancienne candidate dans sa salve de messages vengeurs dont la quasi-totalité a été facile. Kanye West attaque également Pete Davidson via un angle surprenant, il reprend la rumeur selon laquelle le comique aurait, à l'époque où il était avec Ariana Grande, envoyé des photos intimes de leur couple à l'ex de la chanteuse, Mac Miller. Kanye West également partage plusieurs messages pour annoncer à Pete Davidson qu'il ne rencontrera jamais ses enfants. L'artiste à tous les abords publie un texto visiblement envoyé par la star du Saturday Night Live à E! Dans lequel il émet le souhait, à elle à venir, de rencontrer les quatre enfants de Kanye West et Kim Kardashian. C'est un grand nom pour le père de famille, qui ajoute une photo de Pete Davidson et Machine Gun Kelly posant en slip dans une publicité pour Calvin Klein. Tu ne rencontreras jamais mes enfants, écrit-il. Pour suivre, je ne me suis pas réveillé et je ne me suis pas battu pour que ma famille devienne une tendance, sur Twitter, pendant le Super Bowl, mais c'est arrivé. Super Bowl rassemble les familles, pour tous ceux qui sont mariés. Ça se cache et ça vient détruire des familles, et ça se balade en slip Calvin Klein autour de mes enfants mais moi j'y aimerais que ma femme et mes enfants soient avec moi à regarder le match. Souviens-toi que West était ta plus grande victoire. Kanye West a enfin publié une photo de lui tenant un carnet sur lequel on peut lire la date du 13 février 2022 sous cette phrase « Mon compte n'a pas été pirate ».